من بعد سرحنز دي الحبس إيغار المند إميان ديوان إيك قد جن ويك تدونك جين غف فريد نتل اللي غادي تمنات نتغر دايت ودغان الدكتور كمال دين نتن يدنا دام دي تاقين سيسميس دنتا إي ذي مضبار إيقلان دي الجوي هنيا فين يعنان إزرفان بمذان أكن آذاغ دي مسلي غاف يركل اي اني دي درون دي غردايا تعديات ايدي لان غاف اغرمان غاف يمدان دي مزدق نغردايا نغتا غردايت دغا غتان غير نغتا مدي تاقي السينيغ الزول ايضا بارش مس الدكتور كمال دين انسو في سيخة راديو ميديا الزول في اللون ايتما الزول في اللون ايتما J'aurais aimé continuer avec Tomzab Temazirt, mais malheureusement, on va travailler, Inch'Allah, ensemble pour qu'on aura l'antenne Mazirt unifiée pour tous les Mazirs du monde. Comme ça, on va communiquer entre nous avec notre langue Temazirt. Justement. Malheureusement, je dois parler en français parce que pour être compris. Mettez-vous à l'aise. Je remercie la chaîne des médias, radio, pour cette occasion qu'ils m'ont donnée. Merci. Merci, bienvenue. Le plaisir est pour nous. Ne vous sentez surtout pas gêné. Vous pouvez communiquer et parler à l'aise en français. Oui. Voilà. Oui. Donc. Au départ, j'aimerais bien vous remercier pour avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Et si c'est possible, on aimerait bien que vous nous parliez un petit peu de ce qui se passe au Mzab et de cette souffrance qui a abattu les habitants de la vallée du Mzab depuis 2013. Oui, ok. Ce que Sibi, les Mozabites... À Gardaïa, en Algérie, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est ancien, c'est depuis les, malheureusement, depuis l'indépendance qu'on est en train de subir ces attaques, ces agressions, cette violence caractéristique orchestrée par le pouvoir algérien, par la police, par la gendarmerie, et par ils aident ces Arabes Chambi qui sont des tribus nomades qui existaient qui se sont installés près de Gardaïa après l'indépendance. Oui. Depuis les années 70. Et la différence maintenant, c'est qu'il y a des images, il y a des vidéos, il y a l'internet, il y a Facebook, il y a les médias qui divulguent ça. Mais c'est pas la première fois. Oui. Ça date depuis 70, les années 70. Oui, c'est là que la répression a commencé. Pardon? Je dis, c'est pendant les années 70 que la répression contre le peuple mozabite a commencé. Oui. Il y a plusieurs façons qu'on appelle ça, sur le mot ethnocide, il y a plusieurs façons, manières où le pouvoir algérien pratique ces agressions contre le Mozambique depuis l'indépendance. Hein. Oui. Et il y a le parti unique à ces dégâts, c'était interdit de parler Tomzab, c'était interdit d'enseigner à nos enfants nos cultures, notre culture et notre façon, notre civilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que les Mozambiques sont des Amazirs et Badites, c'est une spécificité à eux. Et le pouvoir depuis l'indépendance, il empêche l'enseignement de nos spécificités à nos enfants. Il nous spoile le terrain, il prend le terrain, il le donne soit aux Arabes qui viennent des autres régions de la périphérie de Gardaïa, ou bien, en plus, depuis 1975, ça a commencé à Benyezguen, c'est que quand des Arabes prennent du terrain du Mozambique, et quand ils se défendent, c'est la police et la gendarmerie qui vient apporter une main forte aux Arabes contre les Mozabites. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète jusqu'à maintenant. Oui, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a engendré les dernières émeutes de 2013? Pardon? Qu'est-ce qui a déclenché la dernière crise? Ici, à Gardaïa, c'est déjà connu maintenant, quand ça commence,
des agressions comme ça, on dit que ça sera quand la prochaine fois. Mm-hmm. Parce que il y a pas besoin d'un élément déclencheur. Par exemple, à Barrien, oui. 2008, il y a des agressions qui ont duré pendant 2 ans. Il y a eu 4 morts, oui. Des centaines de maisons incendiées, des dizaines de magasins volés, puis incendiés. Au départ, c'est une question de petits problèmes entre un arabe et Mozambique. Et le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres au service d'ordre de ne pas intervenir. Il laisse les choses pourrir. Et quand il y a des dégâts énormes, il vient toujours du côté des Arabes contre les Mozambiques. D'accord, merci. Juste une dernière question, puisque vous êtes pris par le temps. Étant militant des droits de l'homme, envisagez-vous d'engager une procédure judiciaire contre les auteurs de dépassements ou pas? Oui, on va déposer des plaintes internationales parce que la dernière fois, le 26 mars, on a subi lors d'un sitting pacifique avec les chômeurs, moi-même et 14 autres militants des droits de l'homme. Il y a des amis qui ont subi de la torture, des vieux qui ont 60 ans, et là, il a des certificats de maladie, d'arrêt de travail, du médecin légiste de 15 jours. On a déposé plainte sur le procureur à Gardaïa, il n'a pas bougé du tout. Oui. Et voilà. Merci. Justement. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et okay. Puis, bon courage pour le reste. Et on est de tout cœur avec vous et le peuple mozabite. Imezer Amendemelen.